damn phones. Babylon's can't crack the code. Et oui, les achats, c'est pas fini. On est parti à Ubaldi acheter deux télés et mon aspirateur. Donc oui, j'ai la chance de pouvoir avoir une télé dans mon salon et une dans ma chambre. Les amis, c'est ma cuisine qui est livrée. Ma cuisine, elle a été livrée vendredi et là, du coup, il commence à la monter aujourd'hui et demain. Ce soir, je vous montre les résultats de ce qui a été monté. Donc, il a pas fini, hein, puisqu'il a pas fini là, tu vois, par exemple. Voilà. Il a pas fini là-haut et il a pas fini les niches. Waouh! Waouh! C'est trop beau! J'adore! C'est incroyable! Du coup, voilà mon mur! C'est trop bien! En vrai, il rend pas du tout pareil à la caméra. En gros, il est un peu gris, marron. Waouh! Il a fini tout le marbre! Il a fini les niches! Incroyable! Bon, on est actuellement le 1er décembre. Regardez mon cadeau de Noël. Ça rend trop bien, je suis trop contente. Oh là là. Il manque juste la table qui va être posée. On a eu des petits problèmes. C'est incroyable. J'ai volé, moi c'est trop beau. Et ouais, vous avez vu du coup, il y a la grande lumière. Il y a la petite lumière là qui rend trop beau. Et genre juste comme ça. Je... Oh l'ambiance elle est incroyable avec le... Oh là là. On a rajouté les petites poignées. J'ai décidé d'en mettre en bas mais pas en haut du coup. Parce qu'en haut il y aura déjà des plantes, des machins comme ça. Donc je voulais pas faire trop. Donc frigo. Congèle. Là, on a du coup mon four. On a du coup mon lave-vaisselle. Alors ça, si ça, c'est pas dingue. Et mes plaques, elles sont pas magnifiques. Là, en gros, c'est la hotte qui est intégrée au milieu. On a rajouté des prises parce que je n'avais pas de prises. Donc, j'en ai deux là et deux derrière mon ordi. Est-ce que c'est pas incroyable? Moi, je trouve ça dingue. Le seul petit truc qui manque, du coup, c'est la crédence là en retour. En plus de ça, j'ai reçu mon toaster et ma bouilloire Smeg. Donc, je vous le répète encore une fois, cette cuisine, tout a été fait sur mesure à Veneta Cucine. J'ai vraiment pu tout choisir, que ça soit quel matériau on allait utiliser, comment on allait la faire, où est-ce que je plaçais tel truc, tel machin. Donc, on m'a d'abord fait un premier schéma que j'ai changé. J'ai dit les trucs que j'aimais pas, les trucs que j'aimais. On a rechangé, on m'a renvoyé un deuxième. J'ai encore dit ce que j'aimais pas parce que je suis chiante. Franchement, je suis trop contente, ça rend trop bien, c'est vraiment comme je l'imaginais. Le dessin, bah, il était super réaliste et au final, c'est encore mieux de le voir en vrai. Bon, on arrive à ma salle de bain, c'est parti, je vais vous montrer. Ma salle de bain est quasiment finie vu que le mur est fini, les cases sont finies, il manque juste les joints du coup qui sont pas faits. Après, du coup, quand il aura fini ça, il s'attaquera à mes toilettes qui sont ici même dans l'entrée. Il a déjà fait le sol, mais il a pas fait les murs. Très rapidement, vous allez le voir par vous-même, mais tout simplement, la table est trop longue, donc il faut trouver comment on va la couper, dans quel sens, combien de centimètres on va couper, etc. Une autre chose, si on le fait moins large, si on coupe comme ça, peut-être pas rien ne t'empêche de manger pas tout seul de ce côté-là. Là, on se laisse 50 ici, on coupe comme ça, je commande du champ, on le rechante. Est-ce qu'il y a besoin d'un pied? Non. Avec les trucs là, comme ça, là. Oui, il y a des guerres. Et les amis, je vous présente actuellement ma table. Vous allez dire, elle fait pitié. D'accord, là il va avoir mon canapé du coup qui va venir là. Du coup de base il était censé avoir un pied, mais avec cette longueur du coup on a préféré mettre des trucs comme ça. C'est fait pour qu'on puisse manger normalement à deux, mais du coup maintenant c'est un peu petit. Mais c'est possible, quand je mangerai toute seule du coup la plupart du temps je me mettrai là. Il n'y a plus de carton, tout est propre, donc ça fait plaisir. Les joints ont été faits. Waouh. Vous voyez peut-être pas la différence, mais moi je la vois, mais en gros il y a les joints qui ont été faits de partout. Donc voilà. C'est fini. C'est finito. Finito pipo. C'est finito pipo. On va chercher des meubles, mes chaises de cuisine. Et ce soir, on va déposer tous les trucs et on va nettoyer l'appartement. Bon, du coup, au début, j'aurais pas de dressing. Donc, on a acheté un portant ici. Et on a acheté des étagères aussi pour que je puisse poser mes vêtements. Je vous fais donc un haul dans le roi Merlin. Je vous fais donc un haul avec des affaires que j'ai pas parce que c'est ma maman qui les porte. Mais je me suis acheté un miroir rond pour mettre dans mon entrée. Je vous mettrai une image là pour montrer à quoi ça va ressembler. On cherche aussi un luminaire pour le plafond, mais il se trouve pas, ça m'énerve. Waouh! T'as vu? Waouh! L'ambiance juste avec cette lumière. Par contre, c'est vrai que quand t'es aux toilettes, t'es posé, hein. Tu peux te laver les mains en même temps. Bon,
Les amis, on se retrouve. On est actuellement le mercredi 9 décembre. On a la toilette ici qui fait que du coup, il reste plus de beaucoup de place pour passer. Il reste pas beaucoup. Pas beaucoup, pas beaucoup. Mais regardez-moi cette beauté. Mon mur de pierre est fini. Franchement, je suis trop trop fan. Regardez mes ongles. J'adore. Bref, regardez mon mur de pierre comme il est trop beau. Là, on va mettre ma télé. Là, c'est mon bureau, comme vous le savez peut-être. Mais attendez, je suis choquée. Mon bouton pour éteindre la lumière, il est comme ça. Et je tourne comme ça pour baisser la lumière. Waouh, pardon, mais j'ai jamais eu ça chez moi en fait. D'ailleurs, mais je vous ai pas dit. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Il a la fibre. Regardez les amis ce que je vous ramène. Ma caméra. Première fois du coup je vais vous montrer mon appartement avec ma caméra. Toutou. Mais regardez-moi ça, mon parquet qui commence à être posé. Waouh. Regardez-moi ça, mon bureau il est fini. Bon, pour vous montrer ma salle de bain, elle est trop belle. Regardez-moi, regardez. Oulala. En fait, j'ai pas les mots tellement c'est beau. Bon, ok, il manque des trucs, mais je n'ai pas à prendre en compte. Bref, je vais pas vlogger plus que ça. Promis que la prochaine fois, je vous ramène ma caméra à chaque fois maintenant. Vendredi 18, donc vendredi prochain, j'emménage. Mon canapé arrive mercredi ou vendredi prochain avec ma table basse dans l'appartement. On a ramené toutes les affaires qu'on avait achetées la première fois à Ikea pour tout déballer enfin dans l'appartement, nettoyer ce qu'il fallait nettoyer, réfléchir comment on allait organiser chaque placard et chaque tiroir. Ah non, les couverts ils sont trop beaux. Ah oui, t'avais acheté ça. Ah, c'est archi mince. Ouais. C'est juste un truc qui va prendre de la place sur ton banc de travail. Bah ouais, mais c'est archi mince. Là, dans le tiroir, il va avec le pèse aliment tout de suite. Parce que t'es chiante, Caroline. 19h01. S'il faut passer par l'appart chercher ton manteau. Ça, et on met pas une demi-heure, allez à l'appart et redescends. J'ai faim. Je vais aller au presto. Bon, tu peux reculer s'il te plaît. Non, je peux pas. Juliette, hein, dans deux secondes, je m'en vais et j'y vais toute seule au restaurant. Je laisse pas, les deux verres, je laisse pas. Ah, ah bah ça, hein, c'est facile de pas finir son travail. Hein. Mais vas-y, de pas finir son travail. En train de déménager, on est vendredi 18 et c'est l'heure du déménagement. Le canapé arrive vers 13-14h. Donc moi je vais amener cette valise avec mon sac à dos. Ma maman est déjà à l'appartement. Du coup c'est parti, on y va. Premier aller-retour pour moi. C'est parti. Et là, c'est les assiettes, c'est ça? Je sais pas trop en fait. Vu que là, on met tous les verres, donc là, c'est popote. Ou alors, on met les assiettes là, je sais pas. Qu'est-ce qui est le plus joli? Parce que c'est vrai que là, les tasses comme ça, c'était peut-être moche. Bah, les tasses, elles sont moches. Par contre, les verres à vin, les trucs à champagne, elles sont jolies, on peut les mettre en haut et les assiettes en bas. Et les verres pour tous les jours avec les tasses, peut-être là, avec les petits déj, tu vois, éventuellement. Produits ménagers, maman, ils rentrent pas là.
fait super longtemps que je ne vous ai pas retrouvé pour mon appartement. On est actuellement le 9 janvier 2021. Bonne année! Voilà. Là, on part à Monaco. On amène encore des décos. Donc, je vais vous montrer la salle de bain. Déjà, regardez comment ça s'ouvre. C'est pas trop stylé. Ma machine à laver, le cumulus du coup. Et là, il y aura des placards. J'adore. Et regardez. Je suis trop contente. On a enfin reçu la barre du coup avec la douche, tout simplement parce que on avait commandé une barre mais elle était trop haute. Du coup, on a dû en recommander une plus courte. C'est bon ça, elles sont déjà en diagonale vers là, là. Ouais, celles-là, les premières, elles aient un tout petit peu plus pour qu'elles aillent vers là. C'est parti pour faire les derniers petits achats à IKEA. Encore une fois, on a essayé de trouver un bureau, des décorations et un peu quelques petits trucs par-ci par-là. Allez, 18 numéro 24, on va récupérer les chaises. On vient de sortir de IKEA. Regardez, je vais vous montrer mon coffre. Il y en a partout dans le coffre et partout derrière. Je vais vous montrer ça. Regardez, derrière j'ai un jardin botanique en fait. Oui, on a trouvé une planche de bureau, sauf qu'elle faisait 2 mètres de long, donc la rentrée dans la voiture, c'était très drôle. Du coup, là, je vais apporter toutes les affaires qu'on a achetées à IKEA la dernière fois à mettre dans ma voiture. Je viens de tout déballer de ce qu'on avait amené. J'ai encore des trucs à nettoyer. Regardez la petite plante que j'ai achetée trop mimes. Bon, là j'achète toutes mes chaises. Regardez ce petit coin, j'adore, je suis fan. Je sais pas si je vais le laisser comme ça parce que là ça fait très foncé comme plante. En tout cas pour l'instant c'est comme ça. Là on est toutes les affaires pour monter mon meuble de télé. Là j'ai acheté un palmier, je sais pas encore où il va aller. Je pense sur ma terrasse mais pour l'instant du coup il reste ici. Ah si, j'ai acheté ces plantes aussi, c'est beau avec ces plantes. Je trouve ça trop beau, bref voilà. Je sais pas si ça restera comme ça parce que là il y a beaucoup de plantes. Mais pour l'instant je sais pas. Bon les amis, et oui c'est la fin de toute cette série de vidéos, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas je vous dis merci beaucoup pour tout l'accueil que vous avez fait à cette série, vous avez été énormément à me dire que vous avez kiffé, donc je suis trop contente. Quand vraiment tout sera fini, les petits détails etc, je vous filmerai un appartement tour comme il se doit, mais en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.